Yon l'autre fois gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité ou avec équipe TV Caraïbes depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pas développer quatre grands points pour une information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes encore voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et yon gros remerciement avec ça toujours qui ton commentaire pour nous positif ou bien négatif. Ici dans Bombado Police, équipe TV Caraïbes nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous capable abonnez avec chaîne nan sou renmen qualité information nous partager yo ou capable ouvrir chaîne notification pour là tout pour capable faire partie équipe notification TV Caraïbes là et ça t'a impressionné nous en pile sou t'es capable aider nous grandir chaîne nan et bien nous pas perdre temps n'a déroulé avec information yo en nous responsable organisation force sociale d'Haïti ensemble avec plusieurs autres organisations distribuer jouet by centaines ti moun qui sorti dans quartier populaire yo. Député Eneria, Joseph Chancy, nan tête collée ak magistrat Marc-Henri Compère, lance première édition Noël tête ensemble nan commune Eneri, nan occasion fête Noël la, fin année 2019 la. Et nous voulons partager ensemble avec vous tout, sous initiative première dame République, Lamartine Moïse, Office National Migration organisé, yon cérémonie pour montrer solidarité yo ak femme ou bien garçon, ki gen madame ou bien mari, qui policier qui mourit dans quatre travail. Responsable groupe croissance yo présenté une situation catastrophique sous performance économique et financière PIA pour année 2019 là. Ces informations ça nous porter pour avec plaisir l'autre. Nous pas perdre temps, n'a pas commencé cool yeah. Merci beaucoup les messieurs les parlementaires. Députés, sénateurs. Gardez-moi qui courir messieurs mettez nous. Négociation de pays. Depuis le président Jovenel président, chaque gouvernement, les gouvernements ministres, ils reçoivent toutes les munitions. Sénateurs, députés, pas quitter l'argent dans la caisse de l'État. Nous venons de négocier, mais nous. Messieurs, le même pays, nous reçoivent toutes les munitions. Est-ce que vous pensez que vous avez quitté nous comme ça? Je dis, n'a pas avec les sénateurs, gagnez qui préfère squat, gagnez tout, triple préfère concert. Parce que dans l'état Haïti, Haïti fini, messieurs, quatre mobiles en salle, en bas de la santé avec Padra. Je dis, gagnez une munition jouette d'affaires, c'est de que là, je n'ai qu'à ce l'état, nous n'avons pas de bonnes 10 000 personnes jouettes. Je dis, c'est dans un pays mieux, depuis des pays, il n'y a pas de l'argent. Chaque ministre est remetté, il met un gros couteau dans l'emploi du ministre pour voler toute l'argent dans la caisse de l'État. Je dis, nous me disons, mais un peu, pas la population haïtienne. Seulement, nous avons laissé la deux pays mieux. Mais nous avons pris un jour de pression, nous avons pris un jour de pression pour nous dire, deuxième semaine de janvier, pour toujours sénateur, nous avons dit avec le président Jovenel Moïse. J'aime corrompu ça. Sénat corrompu ça. Rassel. Rassel l'argent ça. Mettez le quartier populaire pour nous. Parce que, monsieur, ça va grand et sérieux pour la population haïtienne. Soyez équipe sénateur qui transforme les têtes comme des délinquants, comme des vagabonds, qui va régler rien pour la population haïtienne. Je dis, il y a qui c'est union des organisations de force sociale d'Haïti. Pas combattant avisé pour le développement d'Haïti. Nous ferons des rendez-vous de presse à conjoint matin. Pour dire merci beaucoup avec les belles alimentaires qui ont quitté Simon Tao demain. Mais nous avons prié, mais avec violence, yeux. Monsieur parlementaire, vous êtes tous comme les caisses d'État. Pas l'argent encore. Vous cassez mon bilan, vous n'avez rien. Merci. Bonne chance, monsieur parlementaire. Je dis à la population haïtienne, vive, en tant que pas de parole. Qui sont dans le quartier populaire. Pour dire, est-ce qu'il va sortir une honte? Encore si, deuxième semaine du mois de janvier, nous allons continuer à mettre des vêtements sous le dos encore pour nous aller dans le Parlement. Nous avons dit que le Jovenel, malgré l'opposition annoncée la couleur, nous disons à partir du deuxième semaine du mois de janvier, nous allons écraser le pays. Mais nous, les forces sociales, en deux pays, pour que nous continuions à l'école, pas de carreaux. Parce qu'il y a des barricades, nous mobiliser, nous dire, pas tout le monde à l'école, mais seulement parlementaires,
Merci beaucoup. Anès a montré nous qu'elle vend division. Si répète, pas mener moun aucun côté. Si m'écrasé, brisé, c'est bac qui fait pays nous fait. Oui. Résultat, la troublée nous est clair. Parce que yo engendré blocage vide institutionnel. Si moun pas à l'école, machin pas à fonctionner, business obligé fermer porte et la prier. Alors, n'a profité pour nous rappeler pour nous dire c'est union qui fait jour pour nous être une grosse nation. C'est unité qui te permet de combattre les colons pour nous prendre l'indépendance. Venons pour fin d'année, n'a demandé tout force pays pour nous mettre tête ensemble pour nous mettre Haïti chéri campé. N'a profité tout pour saluer le bureau première dame de la République là, qui rend distribution ça possible matin, qui bon nous cadeau ça que n'a gardé là pour distribuer par tout monde qui sorti dans quartier défavorisé, qui pas gen monde qui défend yo. Et pour nous faire tout monde yo connaît que c'est eux même qui espoir pays, nous penser avec yo, n'a bataille pour yo, et n'a dit à président pays. C'est pour les garder qui est qui a travaillé, qui a entré dans le quartier populaire, qui n'a pas de bagaille dans le menu. Je dis, nous avons réuni 2 à 3 000 personnes. Ce n'est pas 100 personnes seulement nous avons réuni pour nous jouer. Nous avons dit tout le monde, c'est pour nous mettre cette ensemble, pour nous mettre Haïti campé. Haïti, c'est pour nous lier. C'est nous-mêmes qui nous faisons payer à belle. Nous avons dit bonne fête à toute maman petite, à tout papa petite. Bonne année 2020. Que Dieu bénisse Haïti. La famille César, laissez pour mon nom. Nous réunis dans Cité Toussaint Louverture, Cité de la paix, Cité de la fraternité, Cité d'harmonie, pour que nous lancions Noël vive ensemble, pour que tout le monde, toute couche, toute couleur, toute catégorie sociale, nous rassembler là, dans une ambiance fraternelle, pour que nous célébrions grand jour ça. Activité ça que nous avons possibilité pour nous vivre, à soyer, pour nous fêter ensemble, manger ensemble, c'est une initiative communale que liée, c'est une initiative citoyenne que liée, c'est toute petite ennui, qui décidaient ensemble, participer, cotiser ensemble, pour que nous capables de faire belle fête ça. Nous te disons, nous faisons là, pour que quel que soit moun, minimum qu'on gagne, pour capable jouer en bien ça dans le même niveau avec tout le monde. Et c'est ça qui fait nous capables constater, machin qui là, machin griot, machin fritaille, ma chaîne du Akragou, avec 25 gouttes seulement, au monde on est capable de prendre un plat griot, ou bien un plat du Akragou, ou bien un plat fritaille. L'on finit, ou fin de manger, on passe dans différents bars qui gagnent environ 10 bars, pour que à 25 gouttes encore, on est capable de prendre un prestige, pour monsieur qui, zami, petit plat, avec 50 gouttes, vous avez des possibilités pour prendre un petit rond plat. Merci en pile, encore une fois, joyeux Noël et bonne année 2020. Nous avons dit que c'est dernier fête comme député. Et nous devons faire une dernière fête patronale en novembre dernier, mais mal fête
empêcher fête la fête. Nous regrettons ça. Et nous-mêmes, dans la communauté Henry, nous disons que la ville là, c'est pour nous. Le pays là, c'est pour nous. Malfaiteur pas qu'à bloquer. Malfaiteur pas qu'à empêcher nous fêter. Même s'il y a un problème. Et tout temps que nous existons, nous-mêmes comme jeunes garçons, jeunes femmes, grand monde, petit monde, nous voulons pour ville arrêter propre, pour ville arrêter belle. Est-ce que nous sommes fiers de ça, mon Henry? Est-ce que nous sommes contents que nous avons une belle ville, nous avons une ville qui est propre, nous avons une ville qui est belle? Est-ce que nous sommes contents de ça? Si nous sommes contents, nous sommes. Parce que ça qui fait la joie d'y là, 10 ans, 15 ans avant, pays à ville ça, il est dans la boue, il est dans le fatra, il est dans la raquette. Je dis à nous, une ville qui a saigné. Est-ce que nous avons quitté au monde sur le côté de sorti pour venir mouler le carreau sous lui? Est-ce que nous avons ça? Nous pas d'accord, et ville là, c'est pour nous, nous pas prendre dans mes personnes. Et je dis à, même si moi-même, à magistrat, nous pas, je ne suis pas magistrat encore, nous pas député encore, mais nous sommes nègres natifs natal, nous avons été campés bataille pour l'ennemi. Et je suis fier de nous, je suis content de nous, parce que je dis à, si nous avons réuni tout le monde, là, est-ce que nous connaissons dans tout le pays, là, c'est le seul ennemi qui a fait ça? Est-ce que nous connaissons ça? Est-ce que nous connaissons que fait ça? Ce n'est pas l'État qui fait, ce n'est pas le gouvernement qui fait, mais c'est nous tous qui faisons. Est-ce que nous connaissons ça? C'est nous tous qui mettons ensemble pour faire belle fête ça. Battez vous tête par nous. Applaudissez tête par nous. Et j'en ai un pays à tranquille. Ce n'est pas seulement députés, magistrats, citoyens, mais police nationale là, policiers Henry, qui toujours campé sous des pieds. Applaudissez policiers pour nous, parce que nous avons un bon job. C'est le policier professionnel qui travaille pour bien communauté. Donc, comme magistrat, salut tout le monde déjà. Je salue tout le monde encore. Mais ça, vous me dites, le pays c'est pour nous. Nous avons un pays bel, nous avons un pays propre. Et si nous avons présidé en séance, l'un des présidents, chambre député, moi, je dis, selon les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la fête de ce soir. Comme pour la première fois, Sophie Atelier pour moi. Et ça a fait là, dès que je connais ma vie, première fois ça fait dans la nuit, ça va rejoindre la fête. Sophie Atelier pour moi, c'est à cause de tout, ma vidéo, j'ai tout là pour parler des autres là, pour parler des critiques pour bagaille. Ma vidéo, j'ai critique, ma vidéo, j'ai tout bagaille. Comme si le chef, ma vidéo, j'ai bagaille. Même si nous sortons pour ton prince là, nous venons pas respect nous là, sauf qu'on arrive, nous venons respect nous. C'est comme ça que nous sommes gagnés, nous choisissons d'aider les gens à manger en bagaille. Ma blague, on est grâce aux bouteilles, ma blague, on est dans le wash, ça va même se faire les gens là. Nous sommes fiers parce que nous sommes plaisants qui sont de l'autre côté qui viennent faire ta vie là. C'est pour nous faire ça, parce que nous avons une vidéo, moi, décembre, je vais jamais venir. Moi, novembre, je ne vais jamais venir. Cet avril, je ne vais jamais venir faire tout ça. Ça se fait à pour me dire que je viens de faire la caméra.
Lors de son investiture, le 7 février 2017, le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, a fait au peuple haïtien des promesses qu'il a tenues jusqu'ici. En effet, le renforcement des capacités des institutions de l'État pour que celles-ci puissent être au service du peuple haïtien et des usagers en général, a été l'un des axes prioritaires de son programme. Ainsi, celle dont j'ai le privilège de diriger, en l'occurrence, l'Office national de la migration, ONM, en est la preuve. Avec pour principale mission l'accueil des migrants de retour forcé au pays et à plus ou moins moyen et long terme, d'œuvrer à leur réinsertion socio-économique. L'ONM se doit aussi de prendre des dispositions en vue de proposer et ou de mettre en œuvre des projets ou des programmes en lien avec la migration qui désormais en étant couplée aujourd'hui avec le développement doit être inscrite dans toute politique publique, ceci qu'elle soit globale ou sectorielle. Voilà ce qui explique la réalisation de cette activité aujourd'hui et qui possède un objectif latent, à savoir la création de conditions pour des migrations ordonnées, sûres et régulières. Mais de façon ponctuelle, de répondre aux instructions du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse. De faire de toutes les institutions de l'État des instruments de service public et que les responsables soient de véritables serviteurs de la population. Des veuves, des policiers décédés. Il y a également des veuves. Il y a quelques près de 25 ans, j'ai prêté serment. J'étais dans l'armée et je suis resté dans la rue. Être policier est un sacerdoce, comme être médecin, comme être professeur dans ce pays. C'est un métier difficile. C'est un métier qui vous prend dans l'âme, l'esprit et le corps. Et des fois, pour des résultats que vous, dans la situation où vous êtes, ou presque pareil pour qui ça, mari ou madame, ça baye tout tripli. Alors que des fois, vous pensez que vous ne pouvez pas reconnaître ça le côté pour la nation. Je suis médecin de formation, professeur et policier. Trois métiers, si vous parlez mes patriots, vous partez de là-dedans. Nous-mêmes qui là, même les filles qui nous créent, la majorité des femmes, dans pile bagaille que nous ne pas comprendre. Ce n'est pas parce que vous avez une fille qui nous créent, et bien d'où quoi, qui fait le vagainiser la passe. Je suis quelqu'un de franche et d'honnête. L'œil en policier, pour moi-même, et c'est l'opinion toute police nationale là. Moi, j'ai de mesdames qui ont des maillots sous yo qui marquent. Association des femmes de policiers victimes en fonction. M'a dit nous carrément pas d'accord. Parce que, et m'a dit nous pour qui ça?
un médecin, un professeur et encore plus un policier toujours en fonction, de jour comme de nuit, que l'en uniforme, que le pas en uniforme. Ma parle avec nous là, même pas payer client, hein. M'pas venir là pour nous battre bravo parce que nous comptons samedi à ma divinité. C'est certain que la police dans lui-même, moi connaît un pile visage là parce que chaque année toujours gagne une cérémonie et m'pense année ça, nous t'es même comprendre que pas t'a gagné. Mais nous ouais gagné. C'est pas parce que yo pas parlé de ça y a fait dans la police là pour nous qui fait que yo pas penser à nous. Petite nous c'est petite la police là. Quelqu'un soit policier nous dans la rue a depuis DG rivé juste piba. Yo doué nos services. Parce que si qu'on y a nous pas bon monde bon côté nous pour qui les n'a plein les nous pas gagner c'est pour la nation. L'un yon policier a gradué, toute famille habillée, vini dans belle réception. Et l'un moun prête serment, il faut avoir le courage de respecter sa parole et son mot, son devoir moral. Je jure, là, on pas dit le point rien. Même temps, même j'en tout, je jure, là, la police là, lui-même, il connaît qui devoir que le gagne vis-à-vis de nous. Bay petit pas dit chiche. La police a fait de son mieux, nous connaît qui problème administratif qui gagne, qui est capable, bah nous ça y'a doué. La vie petite police a pas fini parce que papa le pas là. La ville paraît été campée là pour le pas à l'école parce que maman le pas là. Même si mon nan, nan 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il veut faire ville avec un monde. Il était de mériter ça gagne pour le mener. Vin tourner un vrai citoyen, c'est petit ton policier lui. Donc, moi-même, je vin porter un message d'espoir ba nous là. Directeur EPPLS là, là, et pas pour d'être fait nous ton pour un petit bagage. Pas grand chose. Policier ou pas exigeant ou même. Moi-même, de par rapport à métier que je fais, bon bagage que je constate chaque jour. L'envie pam, me souffrir l'encherme, l'ensemble, les policiers blessés, pour moi, appeler tant qu'on bon Dieu, dans la révolution. C'est pourquoi on a l'hôpital, pas. Cependant, les policiers sont sensibles pour un bagaille. Ils ne pas sensibles si vous payez en retard. Ils ne pas sensibles pour si vous payez en retard. Il y a plein de choses, oui. Mais on ne peut pas sensibles. Ils sont sensibles, les madames, les malades. Les petits qui malades et qui n'ont pas de moyens de venir à l'hôpital. On connaît que nous avons pile frustration. Frustration pas gérée par la colère. Frustration, problème ou chercher solution ou pas l'ajouter problème sur problème. Ça me voulait dire nous au nom du directeur général là. Nous avons moun derrière nous. Il y a pensé pour nous. Et pourquoi nous connaît que bon solution qui joignent déjà? Pour affaire de retard de chaque 3 mois qui pas venir à l'heure, nous connaît une solution qui joigne déjà. Pour une patience, jour pas tout yé nous, semaine pas tout yé nous, mois pas tout yé nous. Donc, pour une patience. Ça que m'a dit nous veut de santé, de paix et de sérénité. La police nationale dans pile sous dol nous ouais ça nous connaît ça n'a pas souffri journée en policier ou pas comme si c'est de 36 heures si c'est de 48 heures gain qui fait 2 jours de travail sans dormir chef là quand on l'a dit mon frère mes compliments mais yo exigeant pile de lui et me pensais que en retour la nation doit nous et ça doit nous pour banon. C'est moment de fête. Je vais pas rester trop longtemps. Je vais même venir pour me dire tout bagaille ça au même. Même vle dit nous. De cœur, de sang. PNH là, d'aide nous mesdames. D'aide nous messieurs. Petite nous, c'est petite PNH là. Donc,
meilleurs vœux de santé, de paix et de sérénité. Pas plus, pas d'un joyeux là dans la vie. Merci. L'année 2019 est extrêmement difficile, donc nous allons nous tout chiffonner. Mais ce qui est important, c'est surtout garder chaque des chiffres, à savoir les vies humaines qui ont été très affectées par cette année 2019. Et comme nous l'avons fait des semaines, nous avons tout gardé, ça ne peut pas se prendre. 10 dernières années, parce que 12 janvier 2020, on a préparé pour commémorer le 10e anniversaire là, donc ça bon chiffre, 10 heures, ça peut passer en Haïti. Et on a fini avec perspective pour la prochaine décennie, 2020-2030. Donc voilà les premières informations. Nous avons retenu la dernière prévision du Fonds monétaire international. On a rappelé qu'en juillet dernier, l'ancien ministre des Sommes a parlé des possibilités que ça ait croissance économique. Pour côté de ces richesses, ça a détruit en l'intérieur. Il peut prévoir moins 1%. Par la suite, le Banque centrale était à moins 0,6%. Les dernières prévisions précaires, c'est moins 1,2%. Donc, si vous bien regardez, depuis le tremblement de terre, là, c'est la première fois que Haïti fait sa relève destruction de la richesse pendant un an. Donc, on était à 5,5% après le tremblement de terre, à savoir le support que nous déjoignons, qui permet de nous déjoindre une croissance à ceci. Et suffisant, mais il va le baisser à 2,9, 4,3 et depuis lors, ça va marquer un chute. Donc, si nous voulons, pendant la décennie 2010-2019, la prévision qui a été faite après le tremblement de terre, nous devons croître en haut de 5 à 10%, fameux slogan pays émergent en 2030, donc nous ne restons pas réalisé pendant la décennie qui s'est passée là. Donc, l'un de ces moyennes de toute décennie, nous autour de 2,2%. Et si nous gardons 5 dernières années, nous sommes en bas 1% de croissance, autour de 0,8%. Là, nous connaissons que la croissance démographique là, au moins à 1,7%. Donc, on comprend que réellement, 5 dernières années, très difficile, c'est plus pauvreté avec extrême pauvreté qu'il y a dans le pays. Donc, nous allons regarder combien la situation de l'inflation pendant l'année. De novembre 2018 à octobre 2019, on a gardé que l'inflation a jamais suspendu, augmenté en rythme annuel de 14,5% et je dis à nous franchir la barre de 20%. Juste une petite parenthèse, on a espéré que le gouvernement arrive du problème ça très rapidement, IHSIA, parce que ça, nous a comparé à le système médical si pas de laboratoire, le médecin n'a pas fonctionné. Je dis à là, IHSIA, c'est le rôle qu'elle a supposé jouer. Des prévisions que notre central fait, on a un taux d'inflation de plus de 20%. Donc, lorsque vous ne créez pas richesse après l'inflation, c'est un bagage qui est extrêmement difficile. Nous gardons l'inflation en rythme annuel, mais nous gardons en rythme mensuel, à savoir un mois par rapport au mois, une grande même période de octobre jusqu'à peut-être août 2019, puisque nous gardons chiffre septembre parce que l'IHS n'a pas fonctionné. On a point que il proche parfois de 2% le mois. Donc, chaque mois, pouvoir d'achat diminué d'à peu près 2% et chaque année, mois antérieur par rapport à mois avant, du prix à peu près 20%. Donc voilà comment, lors d'une situation comme ça, de taux d'inflation extrêmement élevé qui est provoqué par tout ça, par taux de change-là, nous avons remarqué qu'il a commencé l'exercice fiscal là, octobre 2010 à 71 gouttes et il va finir à près de 93 gouttes. Donc ça fait une dépréciation de près de 30%. Taux d'inflation lié à taux de change là, le fait que l'exportation est très faible par rapport à l'importation, donc ça crée de sérieuses difficultés pour l'économie haïtienne. Donc ça n'a trois schémas carbone tout ça, l'effondrement du pouvoir d'achat des Haïtiens. Derrière chiffre, je me dis, il y a des mounes, il y a l'aspect social. Ça veut dire exactement. Si je prends une pyramide, et je prends une base pyramide là, l'automne de campagne d'extrême pauvreté, je veux dire, on a commencé à parler de misère en base pyramide. Donc, nous avons fait les vulnérables, de monde qui a fait bon, 4 dollars américains en moyenne par jour. Pour gagner, monde qui est en situation de pauvreté, 2 dollars américains par jour. Ensuite, pour gagner extrême pauvreté, moins de 1 dollar américain par jour. Donc, vulnérables, ça, nous connaissons que tout le monde qui a touché là, vous prenez l'op là, entre les professeurs de l'école qui n'ont pas touché peut-être pendant 2-3 mois, et nous connaissons qui ça veut dire. Donc, il y a des vulnérables là, qui descendent la pauvreté. Donc, pour finir des années, on regarde une femme avec décennie, hein, parce que son décennie femme là, nous rappelons que le premier décennie n'y a pas plus de passer ça, 2000-2010 là, donc 2010-2020, c'est presque même genre. Donc ça, c'est une période assez longue que nous prenons, donc si nous regardons le troisième millénaire à Haïti,
pas extraordinaire. Parce que ça, c'est performance économique, PIB à son période beaucoup plus longue. Donc, si nous commençons à partir de 2000, nous rappelons ce qui s'est passé 2000-2004, nous allons continuer à remonter, nous allons rechuter encore avec, en 2008, avec ce qui s'est passé particulièrement émeute de la fin. Nous allons avoir un gros choc, tremblement de terre là. L'économie va remonter et nous allons être à la baisse. Donc, ça va confirmer. Une étude que Banque mondiale fait, les deux facteurs qui dérangent l'économie haïtienne en plus, c'est les désastres naturels et l'instabilité politique. Et tendance ça apparaît là clairement au niveau des décennies 2010-2020. On commence avec choc tremblement de terre à moins 5,7% et instabilité politique là qu'on est là, qui mène à moins 1,2%, confirme pour nous que deux facteurs ça a aussi empêché que l'économie croît. Et si l'économie n'est pas croître, il y a plus de monde qui a fait, qui a bonne inflation, qui a bon chômage, et qui mène à une situation même de misère. On a des évolutions de changement pendant 10 dernières années. On a compris, un résumé pour nous, c'est un thermomètre qui a la fièvre pour gagner. Après le tremblement de terre, on était à 40 gouttes pour le dollar américain. Pas parce que l'économie a produit réellement, mais pour la simple bonne raison, toute aide que nous déjeunons au niveau international, et ensuite, c'était une meilleure période pour nous au niveau de Pétro-Caribé, parce que le prix baril de pétrole là, entre 2010 jusqu'à 2015, c'est monté à plus que 100 dollars américains. Donc, c'est la raison pour laquelle on va avoir stabilité, ça c'est bien un dollar par rapport à Goudla. Ce n'est pas exportation, ce n'est pas production, ce n'est pas investissement direct étranger, mais on va avoir de 14,15, de 48,56, on va augmenter jusqu'à 93,35. Et malheureuse décision que tu as pour dédollariser l'économie, et mais ça fait le produit pour nous là. Donc, si nous faisons la différence pendant 10 ans, pour nous, un petit choc économique haïtienne d'après, nous faisons dépréciation de la monnaie de plus de 130%. Si on la gagne de 10e étage, sans un parachute, nous avons un petit choc que nous avons appris, et c'est exactement ça, slide ça, résumé pour nous en quelque sorte. Recette totale, on a des budgets après les 10 dernières années, donc la gestion de manière horizontale, que ce soit pour supérieur des comptes qui promettent aujourd'hui à la propre Pétro-Caribé, que ce soit Parlement qui a fait deux commissions pour analyser Pétro-Caribé, une conférence sur Pétro-Caribé, mais pas oublier que nous dépensons plus comme que Pétro-Caribé pendant 10 dernières années. Comme c'est IRH, également les dépenses publiques, parce que je dis à la population haïtienne, les contribuables, contribuent beaucoup plus à budget que international. Donc, il faut que les acteurs non publics puissent s'y mettre, société civile et vous, les médias, pour que réellement, si vous voulez que 2022 va changer, c'est réellement un autre comportement au niveau de la société haïtienne. Et l'image de gloire que nous offrons à l'Éternel, c'est un signe de reconnaissance, non seulement pour Delma, mais pour Haïti. Nous croyons que bon Dieu Israël là, il fait tant de choses dans la ville. Nous, toujours est 1er janvier, comme un signe pour nous dire bon Dieu merci, pour ça le fait pour nous. Et ça, nous croyons que le fait. Parce que bon Dieu rend nous libres. Il rend nous indépendants. Mais à travers tout ça, Haïti subit un pile problème derrière sa nouvelle indépendance. Je dis à nous croyons que, bye bon Dieu gloire, parce que bon Dieu dit louer avec instruments à 10 cordes, nous sommes 150, louer avec toutes sortes d'instruments, musique, chant, bye gloire. Seulement calme. Nous profiter pour nous dire tout artiste évangélique. C'est un moment pour jamais pour eux. Pour eux participer. Nous pouvons défiler avec eux. Et c'est là ça pour nous faire paraître. Parce que nous-mêmes, au niveau de l'église, nous avons un pilatiste. Nous avons un pilatiste qui évolue parfois du en jazz. Nous avons un pilatiste. Parfois, qui veut guitare, la diable, mais nous-mêmes, secteur ça, toujours été derrière. Donc, que c'est un moment pour jamais pour le peuple haïtien, pour une performance chrétienne.
ça nous-mêmes nous sommes capables de faire en termes de musique, en termes de son, en termes de préparation. C'est l'une des raisons qui fait notre deuxième année malgré nous à l'Éternel. Nous croyons que délivrer ce pas bien, il va cacher notre truc. Que de bon Dieu. Même nous, de bon Dieu, ce n'est pas bon Dieu qui va nous donner pour nous, mais là-bas, nous sagesse et compréhension pour nous, pour nous guider, pour nous prendre une décision pour nous. C'est de bonnes décisions. Match de droit là, il a commencé dans le Carrefour Ouamé. Bon, voilà. Et il a privé Carrefour Pichon. Il a gagné 3 chars. Il a gagné un char allégorique qui a représenté les anges. Il a gagné des tours. Il a gagné un bel stand. Il a gagné plusieurs télévisions qui ont direct. Nous pouvons créer la première fête. Il n'a parlé de sécurité comme nous dans la période là. Vous tapez à partir de midi. Vous vivez au moins 9h, 10h du soir. Vous mettez l'heure là. Vous êtes capable de finir avant ça. Au niveau de la Fédération Protestante d'Haïti et de la Ligue des pasteurs de la commune de Belmane-Papol, ça a une bien gros initiative, ça que Magistrat Haïti prend. Parce que nous, pour être sûr, nous pouvons faire que le problème d'Haïti, c'est mon Dieu qui nous. Qui vous donne des solutions, par une bonne foi à tout un chacun, la gouvernance et autres, c'est mon Dieu seul qui vous dit au mot pour Haïti. C'est peut-être ça, nous pouvons décoller ensemble avec eh bien, la mairie de Delma, mais je l'ai dit, le conseil Fédération Protestante dans la Ligue des Pasteurs de la Commune de Delma, camper dans le travail, ça a fait tout. L'année dernière, nous étions accentués seulement sur l'adoration et la louange, mais l'année ça a. Nous allons mettre l'accent sur la prédication. Il y a une douzaine de pasteurs avec des points fixes côté des prédications, parce que il leur dit qu'on peut payer une faute de connaissance par la prédication de la parole de Dieu, par des prières, par des déclarations prophétiques dans chaque point fixe, en sorte que nous puissions découler à travers ça. Et nous mettons pour que l'initiative, ça, c'est une grosse initiative là. Et nous encourageons le secteur évangélique là. Les églises, les pasteurs, les leaders, mobiliser le peuple pour que nous campions comme un seul homme pour nous faire travailler ça et pour nous mettre mon Dieu à Haïti. Nous sommes capables de compter maintenant en termes de circulation. Je me demande que dans le moment là, la circulation va nous bloquer. La présence présente et poser circulation. Pour ce faire, nous avons des policiers que nous mobilisons dans le moment là pour capable. Rendant la circulation fluide et nous devons bloquer, pour que nous devons bloquer pour trouver à qui nous devons faire dans une condition normale, dans une condition de sécurité. Nous avons une bonne communication pour la route haïtienne pour les sécurités qui sont arrivées. Donc nous-mêmes, nous avons une garantie pour la route centrale que nous sommes disponibles avec volonté pour la route et nous avons une sécurité qui est disponible ensemble avec nous. Pour activer ça, nous avons bien un service ambulancier normalement qui déjà répond présent pour disponible à notre parcours ensemble avec nous. Donc, nous avons là, en cas de besoin pour venir soin, nous avons bien un volontaire, nous avons bien un sécurité qui est déjà disponible pour avec nous dans parcours. Voilà, équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. C'est TV Caraïbe et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.